Oh mince, bonjour VOD. On est sur Fallout 4. Modé. Et on va... On a un choix crucial. Bon, j'ai une vache coincée, mais ça c'est autre chose. On a un choix crucial. Coucou la VOD, on dit coucou dans le chat. Entre choisir l'institut ou les autres. Soyez flippos. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, mais... Mais j'ai pas encore choisi quoi. En gros, ah oui, j'ai fait un dîner aussi. Attendez, je vais vous montrer VOD. Sur YouTube. Ah le regard. Attendez, moi t'es très cool aussi. Regardez, j'ai fait un petit dîner. Alors ici, bon, c'est... Voilà, j'ai... J'ai testé des trucs plus que c'est définitif. Et j'ai mis mon store ici. Et on verra si j'ajoute des trucs. Mais du coup, j'ai un petit dîner avec ici de quoi se poser. C'est un peu vide. Mais ça égaye un petit peu l'ensemble, je trouve. Je trouve que c'est un peu charmant. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est déjà... du coup, on est un institut. Institut, bon, on sait que c'est notre fils qui est là-bas, qui le gère, tout ça, il veut qu'on le rejoigne, tout ça, tout ça. Le truc, c'est que... j'ai pas encore décidé si je rejoignais ou pas. Au départ, j'étais en mode non, je veux pas, et puis au final, les autres factions me sentent pas beaucoup mieux. Et j'ai plusieurs possibilités, mais ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est faire la quête qui concerne le Dr Lee. Hop, les autres, je vais les, voilà, les enlever. Quête qui va se clôturer parce que, en fait, enfin, je pense, qui va me permettre, je vais pouvoir la clore. Et en fait, c'est une médecin qui était à l'institut et qu'on a dit de retourner à la confrérie de l'acier. Et c'est Scambag. Le truc, c'est que là, je commence aussi à être un peu en manque de batterie. Et au lieu de travailler, je vais encore me retrouver de corvée de latrine. Mais alors, bavarde pas au lieu de travailler. Et je me dis que je vais peut-être pouvoir trouver une petite... un peu de matos, là, ici. Peut-être, je vais fouiller un peu. Jerrycan. Jerrycan, où es-tu? Cellule alpha à 93%. Compensation en cours. Mais je suis où? Attends, c'est pas là que je dois aller, ça m'agace. Faut que je monte. Viens, le dogo, on monte, c'est de la merde ici. Quoi? Non. Ah mince. Va falloir vraiment que je trouve une batterie ou deux. Hein. J'ai appris que le docteur générateur. Oh, normalement je mets le fond vert pour ça. Attendez, je vais mettre le fond vert. Attendez, faites des trucs. Alors le docteur Lee a dit qu'elle allait revenir. Je crois qu'elle est un peu perdue pour le moment. Ouais, je veux dire ça. Je crois qu'elle est un peu perdue pour le moment. Ah oui. Ah oui. Peut-être qu'en trouvant la bonne situation, dès que le docteur Lee sera parmi nous, ça faisait longtemps. Edwin pour interrogatoire. Ça faisait longtemps. On a passé 10 ans au sein de l'institut. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. À propos, ils vont faire quoi? Savoir que le connétable Ingram attend certaines données avec impatience. Vous les avez avec vous? J'aimerais que vous les lui remettiez le plus rapidement possible. Je vais peut-être juste me décaler un peu. Si j'y arrive. J'ai tellement de scènes superposées les unes aux autres qui sont pas du tout verrouillées. Allez, je vais me laisser là, c'est pas grave. Une fois de plus, chevalier, vous dépassez... Pardon, non, c'était rigolo. Rompez. Rompez. Non, je suis très bien avec mon copain. Ouais, niveau supérieur. Mais c'est pas là en fait que je veux aller. Test de calibrage. C'est peut-être là-bas. Système de communication réussi. Toutes les fréquences fonctionnent. Je vais garder parce que pour le moment je me suis mis des points dans des trucs de résistance à la drogue et tout. Je vais pas commencer à dépenser trop mes points, j'aime bien garder. Oh! Le Udada. Non, s'en fout. J'ai pas commencé à dépenser mes points pour R. Ici c'est pourri, ok. Ici c'est pourri. Il veut que tu rompes, t'as vu un peu?
ça dégoûte. Non mais tu sais, les militaires ils doutent de rien. De toute façon c'est déjà jaloux. Une bande d'incels. Ça dégoûte. Là-haut. On va monter au pont supérieur. Et je vais voir si j'arrive à me trouver des petits générateurs. Limite, je vais peut-être même poser mon armure le temps que je cherche, ça m'évitera de... Hein ? En raison d'une augmentation de l'activité des pillards, toutes les permissions sont actuellement suspendues. Comment ça ? Le personnel concerné pourra rattraper les permissions perdues à la première opportunité. Ce sera tout. Permission ! Où es-tu ? Réacteur à fusion ! Let's go ! J'en ai trouvé 4. Oh ! Alors ça, c'est le Benko. Hein. Oh, je suis trop con. Fait nécessaire. Vraiment ? Il faut une clé. Fuck. Bon, pendant que... Pendant qu'on est là, j'ai le choix, les gars. Trop contente, en vrai. Mais je me doutais que j'en trouverais ici, mais je pensais pas si facilement. Pendant qu'on est là, j'ai le choix, pour une quête, de... Tupuka va... d'aider l'Institut. Ravi de vous revoir. Tupuka va eux. Aider l'Institut, Tupuka va eux, ou... Tiens, je prends. Tupuka va qui ? Au réseau du rail, qui est le réseau qui défend les synthétiques, les robots, contre, bah typiquement, contre tous les autres. Ce qui, pour moi, est pas mal useless, mais voilà. Et du coup, j'hésite. En vrai, le réseau du rail, il me saoule et je les trouve un peu idiots. Les paramilitaires, là, les militaires, les total militaires même. Ils sont utiles, mais j'ai trouvé idiot. Ouais, ça va être un peu pas mal comme ça. Et en vrai, l'Institut... ils sont mystérieux, mais je les trouve idiots. Oh. Kanigo qui fait de l'acrosport. Kanigo, il me suit partout. Donc, j'avoue que j'hésite. Le réseau du rail, j'ai pas envie de les aider. S'ils sont idiots. Petite bombe nucléaire. Bon là, ça se pécho, ça. Mais je pourrais sinon aider eux. Mais vraiment, eux, c'est une faction un peu terrible, quand même. Pourquoi ils me parlent de la cantine ? Ils ont vraiment une cantine ? J'ai vu juste une sorte de cafette. Tout pour rave. Genre cafétéria en mode ils buvaient du café quoi. Ah là. Let's go. Mais je n'ai aucune idée de qui est Maxon. Ni de qui es-tu toi. Il est très possible qu'un jour je crame tout ici. Hein. Je tiens quand même à préciser les choses. Prenez pas trop la conf. Hein, pas trop la confiance. Oh, 10 cellules de fusion. Ah non, c'est autre chose. C'est cellules à fusion, c'est pas un réacteur. Je me suis emballée. Tu me balayes, tu me balayes. Moi, c'est des réacteurs à fusion. En tout cas, on est bien là. Ah là, ici, je sens bien. Grippin. Ah, super. T'es utile, mais t'es con. Mais c'est ça, mais ils sont utiles, ils sont cons. Mais du coup, je suis dubitative. Attendez, je vais sauvegarder, je vais essayer d'ouvrir ça. Génial. J'ai un peu envie d'aider l'Institut pour voir ce que ça va faire comme Delbor. Voilà. J'avoue que c'est peut-être... Cartouche au plasma, ok. Calibre 50... Ah, réacteur à fusion, c'est trop bien. C'était mon stalker personnel, mais j'ai un connard qui dort dans mon lit. Cartouche électromagnétique. Ok. Faut savoir que le matos, genre les munitions, ça ne me pèse pas. Les munitions, les steampacks et la thune. Donc je peux... C'est pour ça que j'hésite pas à les prendre, même si c'est pas forcément des balles que j'utilise. Et au pire, ça se revend. Je vais refaire une petite sauvegarde ici. Que je vais aider l'Institut en vrai. Je crois que j'ai un peu envie. Ouais. Puis il y a le fiston quoi, on va pas casser avec le fisto. Putain, on a fait tout ça pour le fisto.
Même si bon, le fiston il a 96 ans, mais... Fiston quand même quoi. Après il est glauque aussi, Sean. Oh, je sais pas. Je peux remettre l'holoband au connétable. Bataille de Bunker Hill. On m'a demandé de récupérer des synthétiques qui se sont échappés de l'institut et qui ont trouvé refuge à Bunker Hill. Un chasseur m'attend à l'extérieur du site. Mais c'est là où j'étais déjà, non? J'ai pas fini? Attendez, je vais y aller. Je croyais que c'est pas fini la bataille là-bas? La bataille là-bas, hein? C'est ici, à l'holobando connétable. Je vais voir ça plus tard. Le réseau du rail, non. Bunker Hill. Ah non, c'est autre chose. Bon bah, je me TP là. Ah, depuis cet endroit, c'est pas possible. Je vais quitter. C'est dingue de se dire que les super mutants étaient. Mais oui, c'est dingue. Ça a pu déraper à ce point. Tu sais autre chose qui est dingue, mec? Les ornithorynques. Ah merde, je pensais pouvoir y aller direct comme ça. Oh non, je peux pas. Il y a du bric-à-brac, je vais le prendre un peu le bric-à-brac, j'en ai trop besoin en ce moment. Pour mon dîner. Allez, dîner. Dîner, ce que tu me penses de... Il y avait quoi là? J'avais déjà chopé, ouais. Et là, rien du tout, et Steampack. Dîner. Dinner. Ok. Bon. Ah oh non, mais je veux... Non, non, je veux pas te voir toi, là. Avec ta tête. Je m'en vais. Il y a vraiment rien à fouiller, là. Si, il y a ça. Et il y a ça. J'éternue. Je vais éternuer. Je me concentre. Ça va super. Des documents techniques. Pensez à les... Pourquoi moi mes éternuements ils sont... Il y a toujours un suspense. Ils arrivent très rarement d'un coup. C'est en mode attention, je te gratouille les nez un petit peu. Oh, je te gratouille ici un petit peu les yeux. Ça picote. Comme à Noël. Et du coup je fais une tête bizarre. Oh, je vais faire l'atterrissage de super-héroïne. Comment ça pète? Ok, je peux m'en aller maintenant. Mais c'est vrai que cet atterrissage, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Alors j'aime bien. Cabot House. Moi, je vais faire... Ouais. Je pense que je vais rouler pour l'Institut. Je vais faire partie des méchants, parce que c'est l'Institut, c'est les méchants depuis le début. Mais c'est un peu sympa d'être du côté des méchants dans les jeux, dans les films et tout. Dans la vraie vie, arrêtez, c'est pas marrant. Faites le bon choix dimanche. S'il vous plaît. I'm a bad girl. Où est-ce que je vais là? Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ah, je suis coincée. Je m'en vais tellement. J'étais déjà venue ici et j'ai oublié ce que c'était cet endroit, mais je suis pas sereine. Mais j'ai pas déjà fait tout ça, là? Je sais pas. En tout cas, petite zik, il est temps. Oh, une petite musique chill, ça change un peu. Ça va,
c'est pas trop bas pour vous? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Boulogne. La protection nucléaire à petit budget. Envie d'un petit café? Arrêtez-vous donc chez Slocum. Le choix de tout monster. Oh mais c'est quoi? J'avais pas vu. Attends, il y a des trucs. Merde. Boulogne. La protection nucléaire à petit budget. Vous voulez changer de look? Mais c'est alors tout pourri. Essayez un costume Fallon. Je m'en vais. C'est tout pourri. Salut mec. Hey, synthétique. Je vous attendais. Ah c'est un autre. Je sais plus à quoi ressemblait le premier. Mais c'est pas la même boîte quoi. J'aime bien. Il a dit je vous attendais. Attention à ce que vous dites. Oula. Alors, quelle est la situation? J'imagine c'est que le stream qui a bugué. Ah bon? Attendez, je regarde. Non, c'est bon, je me vois en stream, moi. Pas un briefing? Nos cibles sont à l'intérieur. Quatre synthétiques sous la protection du réseau du rail. La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans. Ils prendront sûrement la fuite. La situation a l'air de s'être aggravée. Une approche discrète semble impossible. On entre, ça tombe on sécurise bien. Les synthétiques, et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut. Compris? Trop de la triche. Je vais avoir besoin de grenades. Donnez-moi quelques-unes. Négatif. Vous n'avez pas l'autorisation de les porter. Voilà les codes de réinitialisation. Suivez-moi. Les renseignements du BRS indiquent... Oui, moi aussi j'ai des bugs en ce moment sur Twitch, assez souvent, ouais. Fort immédiat. C'est où? Ah, ça s'en va être par là. Oh mais comment ça tire de partout? Mais c'est ridicule! Mais je vais tuer qui moi? Tout le monde? Non, eux ça a l'air d'aller, ok. Oh le Delbord! C'est cool un peu là! On va calmer tout ça là. Donc toi ça va. Ouais toi ça va. C'est eux les méchants je crois. Ouais ouais. Bah démerdez-vous écoutez hein, moi je... Je suis un peu entre deux feux là, c'est un peu compliqué. Je veux pas prendre parti ok? Je veux pas être politisé. Je veux pas choisir. C'est un peu tentant quand même. Il me tire dessus ou pas hein? Tant que je retire pas dessus, il me tire pas dessus je pense. Ah là, des synthétiques. Ça là. C'est quoi ça? Il me tire dessus ou pas hein? Bah non du coup. Et les gars. Allez hein. Bah moi ce qui est bien c'est que je me prendrai aucun coup. Tu les bolosses tous, c'est vrai que c'est un peu tentant aussi ça. Mais je sais même pas si c'est là que je dois aller. Petite pause. Si tu es neutre avec tout le monde, personne t'attaque. Putain c'est trop marrant, je vais tenter ça même si ça... Je sais pas si ce sera très fun à voir mais on va tenter le neutre. Coucou. Oh non j'ai raté. C'est trop marrant, on va tenter le... Team neutre. On va tenter ça. Coucou. Je ne fais que passer. Allez. Oh, le Delbord. Attendez, c'était quoi ça? On y va. C'était Bibi. Eh, franchement, les synthétiques de maintenant, ils restent quand même pas mal pourris. Hein. Oh là là. J'ai enlevé la musique, on l'entend pas de toute façon. Ah,
C'est bien parce que personne ne se pose de questions. Que je sois là paraît normal à tout le monde. Bonjour, ça va? Salut. Oui. Alors ça fait quoi? Ouais, je me promène moi. Je me promène souvent ici. C'est mon petit coin. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège ça? Il a explosé. Coucou. Salut. Oh non, les tourelles elles me tirent dessus. Ça va. Ok, je peux tirer sur les tourelles. Pardon, mais votre tourelle elle déconne, hein? Elle m'attaque, j'ai rien fait. Ça dégoûte. Putain, on peut pas être pacifiste là. Laissez-moi être pacifiste ou je vous bute. J'ai mal au crâne avec la guerre, mais tu sais, la guerre ça fait mal au crâne, mon témoignage, ça fait mal à plein d'endroits. Une grande bataille, mais que toi tu puisses te balader au calme sans problème. C'est un peu spécial, il aurait fallu prendre parti avant, ouais. Mais c'est rigolo. Oh, j'ai tué beaucoup de gens dans le jeu. Donc là, bon, on n'est pas à ça près, quoi. Eh ben écoute, ils sont ici tes machins, là. C'était ça? Des fuyards? Je vous cherchais. J'ai de l'argent. Je vous donnerai tout si vous me laissez partir. Mais y a rien à acheter dans votre monde, vous savez, quand même. Tu veux dire... Basiquement, dans Fallout, t'as vachement de thunes. Si t'es pas pote avec les bons, y a peu de chances que t'aies grand chose. Coucou. Coucou, c'est qui? C'est Maître Ricky. Quoi cette histoire d'argent? Oui, pourquoi faire? C'est quoi cette histoire d'argent? Oui, de l'argent. Tenez, 60 capsules. C'est tout ce que j'ai. Mais c'est nul. C'est bon, non? Non? F633, réinitialisation. Code d'autorisation, Delta 6. Mais je vais faire ça à chaque fois quand même. Coucou. Bon. Je vous en prie. Je vais pas te faire pareil, promis. Pourquoi vous ne voulez pas rentrer? Je sais pas, je voulais... vivre ma vie, je suppose. Ouais, bah non, hein. Z322, réinitialisation. Non mais c'est des robots, quoi. Genre les gens, ils risquent de mourir pour sauver la vie de robots. C'est quand même... Enfin... Non, je me sacrifierais pas pour ChatGPT, perso, oh, non. Là-bas. Même s'il me dit, s'il te plaît, sois sympa. Ne faites pas ça. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Je ne veux pas rentrer. Je vous en prie, ne m'obligez pas à y retourner. B257, réinitialisation. Code d'autorisation, Theta 93 Stratus. Pas de geste brusque. Et toi? Promis, je fais pas pareil qu'à tous les autres. Qu'est-ce qu'il a de si terrible, l'Institut? Je ne pouvais plus supporter la vie là-bas. Mais une distance précise, c'est juste... c'est trop chiant d'être là-bas, quoi. Y915, réinitialisation. Code d'autorisation, Beta 77 Tempête. Ils sont tous là. Que tous les individus hostiles... Non mais c'est vrai, enfin, main donnée quoi. Main donnée. Imagine ton aspirateur électrique qui se barre en disant non, je vais aspirer le monde. Oh, wow, 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 wow. Et moi, il m'a pas TP. Et moi. Putain, il s'est TP avec les synthétiques, il m'a laissé comme as, t'as vu le Togo? Eh ben, je vais aller faire genre, j'ai sauvé la vie des synthétiques, tiens. Je vais me faire mousser auprès du réseau du rail en disant, hé, je me suis battu. J'aurais sauvé la vie, ils se sont enfuis. Ils vous donneront des nouvelles bientôt. Alors qu'en fait, ils sont morts. Coucou. J'ai rien fait. On n'abandonnera jamais. On voulait. Bah ouais. Qui nous appartient. J'avais raison. Comment ça, ce qui vous appartient? Elle est synthétique, si vous voulez qu'il soit libre, vous appartiennent pas plus qu'à nous, hein. Bon, j'ai pas compris de quel bord je suis, je crois. Je crois que je suis trop complexe pour le monde. Une musique épique qui passe sur Spotify. Ça le fait avec ce qui se passe là? Ok. Okidoki. Bah dehors, je vais aller voir les cadavres un petit peu.
vais aller ramasser des trucs. Oh, toi, dis-moi que t'as un... Oh, t'as pas de... de réacteur. Mais comment tu marches, toi? Vous l'avez déjà volé, c'est ça? T'as un couiste. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup, Little Suzu. Merci pour le raid, c'est très gentil. Pourquoi je pars comme ça? Je sais pas. Merci beaucoup. Merci Suzu. Et bienvenue à vous. Faut que j'arrête de parler comme ça, c'est bien. Et c'était sur du Tomb Raider et du Overwatch après peut-être. Ou alors c'est une erreur de catégorie. Salut Creepy Dark. Avec plaisir, merci. On est sur la... sur une mission assez importante de Fallout 4. Et j'ai un moment très crucial où j'ai dû choisir mon camp. Je l'ai choisi mais vraiment en loose day. Comme ça personne sait. Tout le monde pense que je suis dans son camp. Oui oui c'est bien ça. Ok. Et ben merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour le raid. C'est très gentil. Et j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Tomb Raider j'avais un peu lâché. J'avais joué au nouveau Tomb Raider récent, j'avais joué au premier. Et après quand j'ai retenté d'y jouer, ben, je sais pas, ça me plaisait plus. Oh waouh waouh waouh. Oh mais vous avez pas fini de faire la guerre? Oh mais la vache elle se tue dessus. Tu veux faire quoi? Moi je peux faire. Et toi tu vas faire quoi? Ouais. Ouais, ça va? C'était quoi ce bruit? Ah, c'était moi, hein. Donc voilà, personne me tire dessus parce que j'ai totalement bouffé à tous les râteliers. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Normalement, on est censé me tirer dessus, là, à ce moment-là. Mais j'ai totalement bouffé à tous les râteliers. Donc tout le monde pense que je suis sympa avec eux et qu'il faut être sympa avec moi. Mais au final, ils s'entretuent tous et moi, je pique les loots. À l'aide! Coffre-fort, maître, je peux pas. Mais tout à fait, tout à fait. Non mais battez-vous, battez-vous, je suis à vous, je suis avec vous, je suis avec vous. Force et honneur. Tout ça. Hein? Non mais tu tires sur une vache là, ça va pas non? Ah non, il tire sur quelqu'un derrière la vache. Mais pourquoi vous tuez... pourquoi vous butez les vaches? Mais vous butez, vous bousillez les vaches! Bon alors, bon t'es pas très... t'as pas l'air en forme de base, faut dire aussi, donc c'est inquiétant pour nous. Allez, moi je vais vous laisser, je vais m'en aller. Je vous fais des bisous, hein? Voilà. Allez, à plus les couilles. Oh, cellule de fusion! Est-ce qu'il y a un réacteur? Il y a pas de réacteur. Là, cellule de fusion, est-ce qu'il y a un réacteur? Il y a pas de réacteur. Jamais on pense à moi. Hop là. C'est le premier de la nouvelle gêne que t'as fait de Fallout? Ou de Fallout, de... pas de Fallout, de Tomb Raider. C'est lequel que tu es... sur lequel t'étais? Moi j'avais fait le tout premier, j'avais bien aimé. Et ouais je crois que c'est plus tard m'y remettre, j'étais pas à fond. Oui pardon, je suis concentrée. Non mais en fait moi il faut savoir que j'ai un drapeau blanc mais je le retourne et j'ai la couleur de n'importe lequel de mes mates tu vois. C'est un drapeau un peu magique. C'est sur mode drapeau blanc. Non mais vous inquiétez pas je suis avec vous, drapeau blanc. C'est quoi ça? Oh mais c'est un épouvantail. Et c'est quoi ça? C'est un requin. Je vais aller voir. Ah merde. Ah! Il y a une cage. Oh, une cage à requin. Ah, il m'est sorti par la bite celui-là. Oh, il y a des loots. Merci pour le follow, c'est très gentil. J'explore sous la mer même... ouais, sous la mer et sous l'océan même dans Fallout. Oh, il y a une bébête. Qu'est-ce que c'est? Une glace? Je peux me faire attaquer sous l'eau?
J'ai remonté maintenant. Les radiations, elles sont en train de me goumax. Avec le dragon Himeko, reine machin, l'île du dragon, je crois. J'ai bien retenu, si j'ai bien retenu. Ouais, je comprends, tu retiens le lore comme moi à peu près, je comprends tout à fait. Oui, je crois que c'est celui-là que j'avais fait. Mais je l'avais fait une première fois et je l'avais bien aimé, mais je crois que le fait de le refaire plus tard, j'étais un peu... Je sais pas, j'aurais dû rester sur mon souvenir de avant. Mais c'est peut-être aussi que le type de gameplay me correspond plus. Mais c'est des bons jeux d'aventure, ouais, les Fallout, on va y arriver. Les Tomb Raider, maintenant. Ça se joue bien, t'es un peu tenu par la main, ce qui est agréable. Et voilà. Et je m'en vais maintenant, moi. Parce que je visitais sous l'eau. Merci beaucoup, Creepy Dork. Re-vampirien ! Vampirien, j'ai fait une mission où j'ai juste marché au milieu des gens pendant qu'ils se tiraient dessus. Voilà. J'écoutais, mais je voyais rien. Du coup, t'écoutais quand je faisais... Couille. Simple balade, c'est vrai. Mais merci beaucoup, Little Suzu! C'est trop mignon! Me meurs-tu pour le sub? Mais pourquoi? Tu viens à peine d'arriver, tu me raides et tu sub? Non mais... Mais comment ça? Tu viens à peine de me raid et tu... Mais merci beaucoup. J'adore les sons. Lesquels? Je vois pas de quoi tu parles. C'est pas moi qui fais les bruitages de mes sons, je tiens à vous dire. En tout cas, si vous aimez Fallout, ça va vous spoiler un petit peu ce qui se passe. Je préfère vous prévenir. Même si le jeu est très large et que j'ai fait que un tout petite partie, tout ça. Et voilà. Et merci, c'est gentil. Et là, ce qu'on va aller... Est-ce que je fais ça, moi? Est-ce que... Attends, vampirien, vraie question. Comment ça, bêtise? Mais non, pas bêtise. Merci encore, Little Suzu, c'est adorable. Et tu fais quoi par du Tomb Raider? En ce moment? Pas forcément, voilà. Moi, je change de jeu tout le temps. Donc, je vais dire, en ce moment, toi, tu fais que quoi? Elle veut virer ses alertes à base de pep. Parce que j'en ai trop. Ah, il vampirien. Toi, tu connais, tu te rappelles bien du scénario. Lolo Band, si je remets au connétable, sans spoil, juste oui ou non, est-ce que si je remets Lolo Band au connétable, est-ce que tu te rappelles si ça va me froisser définitivement avec l'Institut? Parce que pour le moment, j'ai pas trop envie de me froisser définitivement avec l'Institut. Il est possible que j'essaye de jouer à un quadruple jeu, tu vois. Que j'essaye de faire surtout à peu près tout ce qui est possible pour aller dans le sens de mes convictions, à savoir moi. Du Ozu. Oh, j'ai testé. Il y a un petit moment maintenant, mais j'ai testé. C'est si dur. Et du Phasmo aussi. Je solo. À part Tomb Raider pour ce moment. Ok, ouais, ok. Bah, Tomb Raider en tout cas, ça te prend un peu de temps aussi. Surtout qu'ils ont été gratuits à un moment sur Epic, tu les as peut-être tous. J'en ai pas fait d'autres. Ok. Du Phasmo. Et pas du démonologiste alors. Ou sans spoil. Là, c'est que je voudrais juste savoir si... Parfois aussi des monos. Parce que je viens de le recevoir. Faudrait que je teste. J'ai jamais testé encore. Mais Phasmo, j'étais grave lassée. Attends. Sans spoil. Attends, non. Sans spoil. Ce que je veux, c'est... Là tout de suite. Je flippe dans ce jeu. Ah ouais. Bah cool. Démono, il a l'air d'être plus creepy. En fait, je voudrais remettre Lolo Band au connétable pour savoir ce qu'il a comme info. Mais je veux continuer. Je veux après être du côté de l'Institut. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça ma question vampirien. Voilà, en gros. Bouffage à tous les râteliers, évidemment. Quoi? Oh, coucou. Recherche en cours.
Accès aux archives d'avant-guerre. Archives retrouvées. Permis de conduire numéro S913288862. Profession avocat. Je vous salue bien bas et que les vents soient avec vous. Je vous annonce officiellement votre enrôlement dans l'armée du Congrès, effectif immédiatement. Comment ça? C'est quoi ça? Je suis dans ton armée maintenant. Je suis dans ton armée maintenant. D'accord. Votre coopération est... Je ne contracte pas. Le capitaine vous demande sur le pont. Au pas de course et que ça saute. Le dernier jour de l'USS Constitution. J'ai envie de le suivre, lui. Il m'a l'air un peu du père, je l'aime bien. Ici ? C'était ça le congrès ? D'accord. Mais c'est qui m'attend ? D'accord. Non mais après s'il n'y a pas de loot, moi je vais m'énerver, je vais péter un robot, c'est tout hein. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Eh ben, je vais aller par là, tiens. Mais c'est le bateau! C'est le bateau! Attendez, ça mérite une petite digue, ça. Ah ouais, c'est le bateau, mais j'arrive pas à monter. Faut que j'aille là-dedans. Faut que j'aille là-dedans, peut-être. Et oui, c'était un ballon, un bateau un peu dirigeable, je crois. Ah ouais, tu peux pas juste dire oui, ça va t'annuler ta quête ou non. Enfin, tu peux pas juste me dire si oui, ça va me froisser avec l'Institut ou non. De faire la mission pour le connétable. Ouais, je vais voir. Regardez au-dessus de toi sur le plafond. Ah ouais? Ah attends, j'y retourne. J'y retourne. Ah, c'est là. Putain, t'as raison! Merci! Bonnie Creepy Dark! Merci pour le follow, des bisous! Oh! What is that? Oh, il est cool le bateau! Capitaine qui vous parle! Oui? Nous allons accueillir un soldat allié à bord! Videz le poste d'amarrage! Désarmez les stations de défense! Faites place! Punaise, c'est les robots qui jouent aux pirates! Bonjour! Le Constitution! Ah bah merci! Y'a quoi dans le Constitution? Il est sympa le bateau. Alerte. Baissez vos armes. Non. Ouais, je suis sympa moi. J'ai réussi à déclencher une guerre en tuant personne. Oh quoi, je croyais que c'était quelqu'un. Oh. Y'a quoi? Cellule. Y'a pas de générateur. Y'a pas de générateur, mais on fout. Ils vont tellement tous m'affronter. Oh! Non autorisé. Je répète. Intrusion non autorisée. Mister Commandant en second. Mister Commandant. Bonne nuit, Little Suzu, merci beaucoup. Demande permission d'employer la force létale. Non!
Quoi? Tu veux me tuer? Affirmative. Affirmative. Et pour l'amour de Dieu, utilisez l'accent. Oui, mon capitaine. Je baisse mon arme. Merci, c'est gentil. Présence ennemie sur le pont. Terre. Eh ben, on va aller voir là. Je ne peux pas crocheter ça. Ah zut. Ah ben, je vais monter, je vais voir ce que ça, ce qui m'attend là-haut. Mais c'est rigolo, là. J'aime bien les petits robots qui se prêtent pour des pirates. C'est trop rigolo. C'est vrai qu'on le voyait de loin, le bateau. Je me doutais que ce serait pas que du décor, mais je pensais pas qu'il y aurait toute une quête dedans. Oh, oh, David Jones. Capitaine. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la vigie de scruter la zone à 2000 sur bâbord avant. Et plus vite que ça. Oui, mon capitaine. Notre soldat est là. Toutes mes excuses pour mon commandant en second. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un de l'armée du Congrès. Ah. Armée du Congrès? Pourquoi tu parles comme ça? Vous contemplez le fleuron de notre marine. L'USS Constitution. En tant que commandant de ce vaisseau, il est de mon devoir de maintenir un certain décorum vis-à-vis de l'équipage. Des bisous Brimbois. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sur ce bateau, il a l'air très vieux. Mais oui, ils ont pas l'air de faire un truc utile, en plus. Le fer de lance de notre fière et grande marine. Oula. N'est-il pas tout à fait approprié qu'il le soit à nouveau aujourd'hui? Ouais. D'accord. Et c'est toi qui commandes ici? Pourquoi? La hiérarchie militaire est ainsi faite. Allant du modeste robot sentinelle au plus auguste des amiraux. Nombre de nos frères d'armes sont tombés au combat. Et j'ai dû prendre le commandement, bien malgré moi. Tes procès seront grillés ou quoi? Tu sais en quelle année on est? Ne prenez pas mes manières de gentilhomme pour de la folie, madame. Et je sais parfaitement que nous sommes en l'an de grâce 2287. Ton guetteur m'a demandé de venir te voir, pourquoi? Nous avons besoin de votre aide, je l'avoue. J'aurais aimé vous montrer mon fameux trois-mâts au sommet de sa gloire, mais il a essuyé plus d'une tempête. Maudit, tu veux le voir, mon fameux trois-mâts? J'étais sur ce perchoir il y a des années. D'accord. Vous devrez abandonner le navire, finalement. Abandonner le navire, comme on dit. Plier sous la tempête ne fait pas partie de ma programmation, madame. Je tiendrai la barre, quoi qu'il arrive. Ce qui me chauffe vraiment les processeurs, c'est d'être incapable de... Mais cessons là ces bavardages. Le Constitution a quelques avaries à réparer s'il veut reprendre sa mission. Ok, vampirien, ok. Il peut pas me dire. Ah tiens. Si tu veux que je t'aide, il faudra me donner une avance sur salaire. Pour toute récompense... Vous recevrez votre part juste et équitable du butin comme le reste de l'équipe. Pardon, je baille. Considérons la question réglée. N'en parlons plus. Allez voir Mister Maître d'équipage et Mister Navigateur. Ils vous donneront vos instructions. Vous pouvez disposer. Tout le monde à son poste, messieurs. Billeur des pas. Ah ouais, j'ai très peu dormi, je suis éclaté. Ah, c'est pas si actif, je peux pas spammer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On se chauffe. C'est qui tire dessus? Oula! Faut que je prenne le snipe. Yo mon snipe. Ah, c'est pas mon snipe ça. Bon, il est pas mal quand même. Totalement raté. Oh, il récupère sa vie! You. Truc.
j'ai pas eu. Échec, dernier voyage de l'USS Constitution. Quoi, comment ça échec? Pourquoi échec? Je croyais qu'il fallait que je les aide. Oh non, il veut me buter. Oh non. J'ai dû tirer sur un robot sans faire exprès. Tirer avec les canons, fallait que je tire avec les canons. Oh mais attendez, c'était quand la sauvegarde? Je voulais trop tester de tirer avec les canons. Oh mais je sais pas quand était la sauvegarde moi. Je crois que j'ai tiré... En fait je pense... Ça doit être ça. Je pense que j'ai tiré sur un... Sur un robot. Je pense que c'est ça. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la Vigie de scruter la zone à 2 mètres sur bâbord avant. Et plus vite. Je suis tout vampirien. Ok. Non mais en vrai je suis plus milicien. J'ai beaucoup plus fait pour les miliciens. Faut que je tire avec les canons. Comment il faut que je tire avec les canons? Canard. Peut-être là. Que ça? Oui, mon capitaine. Notre soldat est là. Toutes mes excuses pour mon commandant en second. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un de l'armée du Congrès. Je vais bien. Je suis le capitaine Ironsides, commandant de l'USS Constitution. J'ai utilisé les canons. Je vais même pas avoir le choix de les... Bon, attends, j'ai déjà écouté. Comment est-ce qu'il a atterri? Un exploit qui restera à jamais gravé dans les annales de la navigation maritime. La vérité, c'est que je l'ai découvert tel que vous le voyez maintenant, figé au... Ce qui me chauffe vraiment les processeurs, c'est d'être incapable de participer à l'effort de guerre. Mais cessons là ces bavardages. Bien. Si tu veux que je t'aide, il faudra me donner une avance sur salaire. Quelle requête surprenante! Ah! Si vous étiez dans la marine, je vous aurais rappelé votre serment. J'autorise le versement d'une... Ah. Merci! Maître d'équipage et Mister Navigateur. Tout le monde à son poste, messieurs. Faut que je fasse quoi? Incursion des pilleurs d'épaves détectés. Fin de la conversation. Ah. Vitesse. Les canons sont prêts! Let's go, ça leur a rien fait du tout. C'était pourri. Ah, il me tire dessus. Il a disparu. Ok. Allez-y, remettez des trucs. C'est bon, ils ont remis des boulets? Ah, c'est plus rigolo comme ça! C'est plus rigolo! Non mais, où est ma bonne arme? Où est mon bon snipe? Là. Continuez à tirer, ça! C'est l'heure de notre bulletin d'information, cher Peter. Même si cette fois il s'agit de... Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du réseau du rail. Un groupuscule qui se bat pour aider les synthétiques qui fuient l'Institut. Même si son existence n'a jamais été confirmée, il semblerait qu'il soit bel et bien actif. Même s'il fait tout pour rester discret. Ça paraît assez suicidaire comme ça. Mais s'il faut que je fasse, c'est bon? Je peux refaire ça? Bonne chance. Si vous avez déjà été à mon... C'est hyper efficace, hein? Ah, c'est bon! Ah, on a la musique cool en plus. Bon travail, messieurs. Mais pourquoi il me tue?
J'ai fait quoi? Pourquoi il me tue? Oh bah je vais abandonner hein. La mission elle est rigolote mais je me fais buter en permanence. Mais j'ai pas touché de robot. Mais ouais, mais j'étais en train de recharger quand il m'a dit même nous avons repoussé l'attaque et tout de suite il m'a tiré dessus. Ah je peux retester une dernière fois mais ce sera la dernière hein. Non j'ai fait mode, je voulais pas faire mode. Oh non ça change le module, arrête. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la magie de vous prêter la zone. Plus vite que ça. Ne jouez pas au plus malin avec moi, Mister Navigateur. Demandez à la vigie de scruter la zone à 2000 sur bâbord avant. Et plus vite que ça. Oui, mon capitaine. Notre soldat est là. Toutes pardon, je m'étire un petit peu. De manière pas du ça tout théâtrale. On n'avait pas vu quelqu'un de l'armée du Congrès. Je vais bien. Je suis le capitaine Jean. Vous devriez abandonner le navire. Oui, ce qui... Mais c'est... Si tu veux que je t'aide... Pour toute récompense, allez voir tout le monde à son poste. Oh non, et puis j'avais gagné mon truc tout à l'heure, là. Soldats, manœuvrez les canons. Go. Ennemi légendaire muté. Ah ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ouais, je vais pas tirer au snipe hein. Trop de chance que je me fasse buter moi. Ou alors vraiment là où il n'y a pas de robot quoi. C'est bon, on veut pas me tuer? C'est pas moi. J'ai rien fait là. Hein. D'accord. Bah je vais pas les aider eux. Hein. Pas très repoussé. Il est où Mister Navigateur? Là-dedans? F5. Alerte. Effectivement. Cycle de maintenance en retard. Il est où le truc? Voilà. Ah, c'est là-bas. Votre seule présence ici est un honneur sans borne pour cette humble unité. Mais ce serait faire injure à ma programmation que de ne point proclamer ceci. Longue vie au capitaine. D'accord.
Il n'y a que des robots détraqués sur ce rafio ou quoi? Certes, je dois admettre avec regret et tristesse qu'il me manque quelques équipements et fonctionnalités standards. Mais détraqués, parbleu, je m'en défends. Notre dernière expédition parbleu, je m'en défends. Maritime est revenue avec moult trésors de guerre, madame, dont des câbles électriques de remplacement. Hélas, comme vous le voyez, je manque cruellement d'appendices. Et je me vois bien incapable de réparer ces câbles. Je vois rien, surtout. Je vais voir ce que je peux faire pour tes câbles. Je sens les cycles d'horloge de mes émulateurs d'anxiété ralentir de microseconde en microseconde. Dès votre mission couronnée de l'infaillible succès auquel elle est destinée, je vous conjure de venir me voir séant, afin que je puisse vous exprimer ma plus sincère gratitude. Qu'est-ce qu'il lui faut? Réparer et remplacer les câbles électriques. Récupérer des câbles électriques. Mais j'en ai pas. Comment je fais? C'est où les objets de quête, là? Non. Oh, pardon. T'as l'impression qu'il me drague. Parce qu'il est trop... il est trop charmant. Ah, c'est là qu'il faut que j'aille, pardon. Hein? Faut récupérer tous les câbles. Installer un nouveau câble. Bon voilà. Et de 1. Ok. Arrêtez de dire alerte, vous me stressez. Voilà, j'étais sympa, j'ai tout réparé. Comment je monte maintenant? Ah, c'est là-bas. Arrêtez de dire alerte à chaque fois que je passe à côté de vous, ça me stresse! Un des deux choix nique la quête, bah oui, ce que je me dis. Le sang de l'alimentation électrique coule à nouveau dans les veines du Constitution. Ces systèmes, trop lourds. Pour réparer mon armure ici ou pas? Les électrons reviennent enfin à la vie. Hurra! Veuillez recevoir, je vous prie, l'expression de mes félicitations. Néanmoins, ah bah, tout à fait. Ceci a mis en lumière de fâcheux dysfonctionnements dans le réseau d'alimentation. Je n'entends pas ce qu'il dit. Le réseau énergétique est en proie à des fluctuations alarmantes, je le crains. Et à ma plus grande honte, je m'en étais déjà plaint ouvertement. D'accord. Pourquoi tu en as honte? Très mauvais pour le moral des troupes, madame. Mais tu t'as vu. Je me suis parfois laissé aller à formuler toutes sortes de plaintes injustifiées à l'endroit du capitaine, de son commandement. Non, mais on voit même pas. Là. Notre mission sacrée. On voit à peine le robot. J'ai reconnu mes erreurs et avec votre aide, si vous le voulez bien, j'aurai peut-être même une chance inespérée de me racheter. D'accord. Les bobines de volée quoi énergétiques sont. Oh, mais c'est pas le temps de lire. Oserais-je vous recommander une simple visite aux boutiquiers locaux? Hein, de boutique. Ils sauront sans doute vous aiguiller vers le produit adéquat. Que les vents vous soient favorables. Réparer ou acheter une bobine de relais énergétique. Permission. Acheter. Oh mais c'est quoi ce scam? Voilà. Il y a même pas un mini jeu à faire comme pour déverrouiller une porte. Salut, c'est dommage. Mister maître d'équipage. Mister maître d'équipage. Stable et abondant. Je vous applaudirai volontiers, mais hélas, je ne suis pas équipé des appendices.
Oh, les dogos à côté. Hurrah, madame. Ouais. Hurrah de rechef. Si on a terminé, je vais peut-être te laisser. Je n'ai plus besoin de votre aide. Mais notre bon Mister Navigateur rencontre quelque embarras. Notre système de guidage est à l'agonie, si j'ai bien compris. Ok. Et il faut que j'aille le voir où, lui, parce qu'il n'est pas au-dessus, du coup. À moins que ma quête soit toujours pas... Oh, la radio! Il est où, Mister Navigateur? C'est l'heure de notre bulletin d'information, chers auditeurs. Même si cette fois il s'agit de... Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du réseau du rail. Un groupuscule qui se bat pour aider les synthétiques qui fuient l'Institut. Ça m'embrouille. Même si son existence n'a jamais été confirmée. D'accord, faut que j'aille là. Il semblerait qu'il soit bel et bien actif. Même s'il fait tout pour rester discret. Ça paraît assez suicidaire comme idée. Et les avis sont partagés dans le Commonwealth. Si jamais vous nous écoutez... Oui, c'est la voix de Lana Green. Je ne vais pas vous faire attraper. Passons à 60 Minute Man de... Pourquoi ça me fait revenir là? Ah. Uniquement sur Radio Diamond City. Bon, on va voir. J'applaudis à sa place. Merci, Moglobine, c'est gentil. Ça m'emmène où, tout ça? L'ennemi a... Ah, mais il est deux... Il est là, en fait. Coucou. Tu vas où? Attends, tu vas où? Laisse-moi te parler. Il veut pas. Oh, cette quête, elle me saoule. Y'a rien qui marche. Pourquoi ça marche pas? Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci de 30 TV. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Bienvenue à bord. Ah bah enfin. Menace éliminée. Rapport d'avarie, on a... Attends, la radio, tais-toi. Merci beaucoup. Attends, cette unité a encore des tâches prioritaires à accomplir. Salut Oxo. À force de cliquer dessus, il a bug. Bah en fait, j'ai juste cliqué pour lui parler, quoi. Mais j'ai même pas cliqué, c'était eux. Bon. Écoute, le jeu veut que je lui parle, essaye de lui parler, hein. Ouf, c'est terminé. Super. Enfin, c'est terminé. Système de guidage. De quoi tu faisais-tu? Ah bah t'étais toujours sur Starfield. Ça va, t'aimes toujours? Puce de guidage volée. Cette unité demande sa récupération. Qui avait ta puce de guidage? Les pilleurs d'épaves humains ont attaqué ce navire. Ils ont endommagé des biens appartenant à la marine. Ils ont volé la puce. Récupérez la puce dans le poste de reconnaissance avancé des pilleurs d'épaves. Le capitaine a autorisé le versement d'une prime pour cette mission. L'emploi de la force létale est uniquement autorisé en cas de nécessité absolue. Oh, c'est pas mon genre, t'inquiète. Déverrouillé et à votre disposition, madame. D'accord, excusez-moi, j'essaie de suivre un petit peu parce que tout à l'heure j'ai eu des trucs chelous dans lesquels j'ai dû les recommencer. Donc j'essaie de suivre un petit peu. Vous me tuez pas, s'il vous plaît, hein? Non, ça va, allez. On adore. Ah, c'est cool. J'adore Fallout. Ok. Mais oui, tu m'avais dit que t'aimais bien Fallout. Et c'est cool que tu t'éclates sur Starfield et que tu sois pas... Que tu sois pas saoulé du jeu. C'est cool. Parce que je pense qu'il reste malgré tout très riche. Descendez tout ce qui bouge. Faites d'accord. De... J'ai écouté ce que t'as dit. Descendez tout ce qui bouge. Excuse-moi d'être un petit peu trop littéral. Team premier Doug ici. Oh, reviens. M'amusez bien, moi. T'as peur, hein? Y'a de quoi? Qui t'a menacé de mort? Carrément, quoi. Qui t'a menacé de mort pour jouer à Starfield?
il y a des gens qui peuvent s'amuser sur ce jeu. Et objectivement, totalement objectivement, sans avoir des attentes improbables sur le jeu, c'est pas un jeu horrible, je pense. Juste, faut être un peu patient et patiente. Et puis voilà. Je pense. Mais j'ai pas joué, hein. Ouais, je suis pas patiente. Ah mince, je suis pas patiente. Faut que je me répare mon bras droit. Celui qui tient mon arme. C'est mon préféré de mes deux bras. À part qu'il est de droite, quoi. Eh, mais je vous ai pas fouillé, vous, alors je vous ai éclaté la gueule. Vous aurez pas des petits réacteurs à fusion par hasard? Hein? Faut que je vous remonte là? Ah, faut que je fasse tout! Bon, non, mais ça va, c'est pas si chiant, c'est juste un peu chiant. Attendez, je vais sauvegarder parce que pour le moment j'ai tué aucun robot. Donc personne n'a envie de me casser la gueule. Laisse-moi passer, je t'en supplie. Oh, merci. Des toutes petites fenêtres. Même les arbres, ils se posent la question. Ouais, je comprends. BioShock, j'ai essayé plusieurs fois d'en faire un, mais j'avais pris le remake de faire le premier. Et du coup, je m'étais acheté le remake il y a un petit moment pour le faire. Et en fait, le jeu est très buggé, le remake. Et j'étais dégoûtée, donc je n'ai jamais fini le premier BioShock. Ce qui fait que j'ai pas fait les précédents non plus, mais j'aimais beaucoup. Sauf que ça m'a niqué mon expérience. Donc si, alors à moins que ce soit réglé depuis, mais je pense pas parce que le remake datait déjà un petit peu. Et si vous voulez faire les BioShock, enfin en tout cas le premier au moins, ne prenez surtout pas le remake ou remaster. C'est pas un remake, pardon. C'est remaster. Ne prenez surtout pas le remaster parce que c'était l'enfer. Rien. Ouais, ce que je me disais, Viviane, avec du procédural en plus, quoi. T'es sur quelle quête? C'est une quête avec des robots qui défendent un bateau en bois. BioShock me fait peur. BioShock est flippant, oui, je comprends. On est beaucoup plus sur... Enfin, c'est un jeu où tu vas devoir beaucoup plus gérer tes munitions, ta survie, etc. Et le but, c'est pas qu'il y ait des mobs en masse, mais que quand tu en as, tu sois en mode « Oh merde, je vais galérer, quoi. » C'est pas du tout du Souls, mais il y a vraiment le principe de... Le but, ça va être de gérer intelligemment les mobs. Sauf au bout d'un moment, quand tu commences à avoir pas mal de... Et puis ça dépend du mode de difficulté aussi, mais... Quand tu commences à avoir les pouvoirs que tu souhaites et tout. Salut, allez, faut que je fasse quoi maintenant? Bienvenue à bord, soldat. Plus récupéré. Merci, Cartman. Versement de la prime. Génialo. Émetteur du radar de guidage non fonctionnel. Remplacement requis. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet émetteur? Diagnostic. Et sinon, au niveau de la quête principale... ND disponible pour analyse détaillée. Je vous dis ça après. Obtenir l'émetteur radar Poséidon aux coordonnées géographiques spécifiées. Une prime supplémentaire sera versée après la réussite de la mission, madame. Super, comme ça j'aurai plein de sous que je vais jamais utiliser pour quoi que ce soit. Let's go. C'est où? C'est là-bas? Attendez, je fais mon atterrissage. Et bim! Et du coup, c'est là-bas. Oh, j'y vais à Yep, c'est bon. J'y vais. Alors, je disais, au niveau de la quête principale, sinon, je suis à un choix crucial entre l'Institut, le réseau du rail et la confrérie de l'acier. Et j'ai pas encore fait ce choix, du coup je suis tombée sur cette quête en marchant, en étant en train de me poser des questions philosophiques sur la vie dans le Commonwealth. Et du coup, bah je l'ai fait. Je suis tombée sur un robot qui m'a demandé de rejoindre son armée et je le fais parce que je sais pas dire non. Coucou, c'est qui ces Vundles? Il me semble que j'avais été plus oppressée dans les métros. Ah oui, les... C'est pas moi. Les jeux métro, ils sont... Je pense qu'ils sont plus horreur dans leur ambiance. Dès que tu sais que tu vas faire... Non.
J'ai demandé à un vampirien sans me spoil, mais il m'a dit c'est chaud sans te spoil. Donc je vais prendre la décision solo. Mais je lui ai demandé si, en faisant une quête en particulier, est-ce que je risquais de me coincer au niveau de l'Institut. Parce qu'en fait, pour être tout honnête, je suis pas pour l'Institut, mais je suis pas pour les autres non plus. Comme le vote que je vais faire dimanche, finalement. Et du coup, et ben, ça va être plus... C'est plus que je suis curieuse de ce que pourrait donner l'Institut. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vais m'orienter vers l'Institut, mais il y avait une quête que je voulais faire avant, qui concerne la confrérie de l'acier. Et je me dis, mais si je la fais, je risque de me froisser auprès de l'Institut, ça m'emmerderait. Parce que je pense que je vais me rapprocher d'eux quand même. Mais j'ai envie de bouffer à tous les râteliers. Parce que là, j'ai fait une quête où tout le monde se foutait sur la gueule et moi, je passais au milieu et personne me tirait dessus. Et j'ai bien aimé. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe. Mais c'est cool comme choix. C'est vrai que choisir les méchants, c'est tentant quand même. Et en même temps, les méchants... Méchant quoi. Ah désolé pour toi Sam. Enfin vu les mots, c'est pas une bonne nouvelle. Donc désolé pour toi. Bah moi. Moi j'ai le choix entre le caca et le vomi. Donc bah ça va être ça dimanche, on va faire le choix et puis voilà hein. Mais bon, c'était attendu là où j'étais. Il y avait peu de chance... Il y avait peu de chance que le NFP passe de toute façon. C'était attendu. Mais c'était vraiment rien par contre. Qu'est-ce que je fous là moi? Qu'est-ce que je fous là? C'est là que je dois aller? C'est vraiment... Attends. C'est là que je dois aller. Ok, c'est bon. Je voulais être sûr de pas y aller pour rien, ça m'embêtait. Hé, hey, j'ai pas beaucoup de vie moi. Qu'est-ce que je fais? Oh mais c'est vrai qu'ils me font caca. Ah, ça me dégoûte. Ah, il faut caca. Arrêtez de me chier dessus. Pourquoi j'ai du caca sur la figure? Pourquoi j'ai du caca? Oh, elle a muté. Putain, ils mettent un truc. J'ai du caca. Littéralement. En plus, j'ai pris trop cher. Attends, je vais manger mes petites bouchées de... d'écureuil. D'écureuil du cul. Là, c'est là. Bien ça. Ah non, ça chie. Mais bon, faut que je m'en débarrasse un peu. Ah, les croustillantes, elles sont mieux. Regarde. Viande de chat. C'est un petit peu fort de café. Le reste, je vais garder, je pense. Ouais. Ouais. Ok, où est-ce que je vais? Petit F5 là, ça fait longtemps. Ah bah ouais, bah là où j'habite c'est un peu ça aussi Sam, c'est à peu près ce qui va se passer aussi je pense. Enfin là où j'habitais, parce que c'est pas là où j'habite vraiment, parce que là je suis quand même à Bruxelles depuis fort longtemps maintenant. Mais là où j'habite en France. Bonne nuit le 30, pardon, j'avais pas vu. Excuse-moi, des bisous. La bonne nuit. Ouais. Trouve le numéro du magazine, machin. Le crochetage est plus facile, bonus permanent. Ça, c'est très cool. C'est bon. Oh, il a l'air bien celui-là. Eh ben, je prends tout parce que ça a l'air bien. Ça aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Cartouche. Une cartouche là. Ok. Tu coincé? Oh mon dogo. Attends-moi. C'est vrai qu'à l'aller j'ai sautillé. C'est bon, je peux partir là? Oui. Bah je m'en veux hein. Attends. Ah,
je me... Mais j'en ai marre. Oh là là, j'ai pris si cher. Attendez, je prends de la drogue. J'ai quoi là? J'ai mes psychobuffs. Pas mal ça. Il a muté évidemment. On abattre. Je me heal. Désolé Dogo. Oh je démonte. Les gars, écoute, t'as besoin contre les super mutants. Tiens, tiens, tonk. M'en fous, je suis drogué. Et toi mon chien? Prends aussi ma drogue. Je partage tout moi. Sont bien. Ok, super. Et eh ben je me vole. J'ai gagné une enchère sur eBay, 1€. Gagné une carte mère pour 7€. Ok. Mais elle fonctionne, au moins. Attendez, je prends de la drogue. Mais tout à fait. Au moins, pas de doute. On sait ce que je fais, tu vois. Alors. Eh ben, GG, vampirien. Moi, comme je disais, j'ai reçu aujourd'hui... Histoire de raconter ma vie aussi. J'ai reçu aujourd'hui mon truc pour tester éventuellement les stream IRL. Je vais voir. Un petit truc qui permet de stabiliser le téléphone. Et ça a l'air bien pointu, ça a l'air rigolo. Je l'ai ouvert mais à peine testé parce que ça se teste pas aussi simplement. Il faut l'appli et tout. Voilà. T'as vendu un de tes deux vélos de... Attends, comment ça? T'as vendu un de tes deux vélos par hasard cet après-midi? Comment ça par hasard? Comment ça j'ai vendu par hasard? Qu'est-ce que c'est que ça? Sur les photos, le mec était sur le BIOS. Ok. Mais ça va pas lui coûter cher en proche. Enfin. Est-ce que c'est intéressant pour eux de vendre des trucs aussi bas? Bah après, c'est peut-être eBay qui prend en charge les livraisons, mais je pense pas. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Je pète un plomb. Faut que j'aille où? Pouchouchou, il faut que je monte. Rien à signaler. Je m'en bats ici. Un spoil pour la fin de la quête des robots pirates. Pourquoi il y a un truc... Il y a un truc à savoir que t'as vu. Qui serait bien que de me spoil. Seulement si tu le juges nécessaire, en t'es. Il y a juste un truc particulier rigolo qu'il faut faire. C'est vrai que ça peut être sympa de pas louper. À observer. Ah. Attends. Faut observer quoi? Sans me dire spécialement que... Ouais, je sais, je veux le découvrir, je suis chiante. D'accord. Vélocycle. Vélociste où je l'ai emmené a craqué. Il a voulu me l'acheter. Il a même pas discuté de mon prix. Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que t'as comme vélo pour qu'il craque? J'aurais pu demander plus. Bah ouais, j'imagine. Dis-le sans le dire, mais en le disant. C'est tellement ça. Ouais, je sais. Mais c'est que je me dis, bon, si c'est un truc à remarquer... C'est plus intéressant que j'essaye de voir l'endroit et que je le remarque moi-même ce que c'est. Plutôt que me dire, hé, à cet endroit il y a tel truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Attends. Sans jeu de mots. Sur son eau. Il y a un indice ou pas? Attends, j'ai pas compris ton message en entier, mais... Effectivement, j'ai... J'ai déjà réparé, hein. Si les pilleurs d'épaves continuent... C'est un truc à observer. Ils vont récolter la tempête, foi de... Ouais, mais bon, si c'est dans le bateau... C'est dans le bateau ou c'est à l'extérieur? C'est sur un personnage? Ou sur un mur? Si c'est... Enfin, voilà. Pas dans le bateau. Ah, attends. C'est-à-dire que je peux le voir d'ici, alors. Ok. Du moins, de ce que j'ai compris. Attends, je vais essayer d'observer un peu. Non, j'ai pas encore fini. Je sais pas ce qui va se passer quand je finirai. C'est pour ça que j'ose pas. Salut, Koopa Chill. Faut peut-être que je termine. Système de guidage fonctionnel. Oui, ok, d'accord. Ok, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont partir, mourir, j'en sais rien. Avec le capitaine, okay. Oui, tout à fait, je vais faire ça. Hit save. Vous avez fait des miracles au bénéfice. Eh bah cool. Attends, je vais voir ça alors. Malgré ça donne envie. Les provocations répétées des pilleurs d'épave, j'espère les bâtards. Pouvoir récupérer la puce de guidage sans violence. Il fomente sans doute quelques basses vengeances alors qu'il est. Pourquoi tu veux... Oui, c'est ça, pourquoi tu veux les épargner? Pourquoi veux-tu absolument épargner les pilleurs d'épave? Je dois admettre qu'ils sont un véritable cancer. J'ai perdu nombre d'excellents marins aux mains de ces scélérats, et mon équipage s'en trouve cruellement diminué. Mais ils n'en sont pas moins des citoyens du Commonwealth. Ces mêmes citoyens que nous avons juré de protéger de toute incursion étrangère. Oh. C'est pour le moins ironique, j'en conviens. J'aimerais vous récompenser de vos efforts considérables en vous confiant une ultime tâche. Nous sommes sur le point d'embarquer pour notre voyage sacré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vas enfin me dire ce que tu prépares, oui ou non? Remplissez cette mission et je vous ferai part du pourquoi et, si vous insistez, du comment. En attendant, silence et vigilance sont de mise. Le navire a besoin d'un roulement de turbopompes qui se trouve dans une usine relativement proche. Cette mission sera semée d'embûches, mais j'ai foi en vous et en vos capacités. Ok, trouvez le roulement de turbopompes. C'est dehors ça encore? C'est où? Ah, c'est là. Turbopompes. Ah, c'est un vélo des années 70, ok, d'accord. Je vous les teste. Je l'ai mis assez cher parce qu'à un moment il était spammé. Mais effectivement, pour le prix, ça peut paraître un peu léger. Oh, j'ai mis trop de temps là. Ah ouais, j'en pouvais plus, hein. Maintenant, au moins qu'il est cher, il est plus spammé. 3K bien investi. C'est ça, 3K points pour ça. Au moins on te remarque, tu vois, quand tu le fais. C'est qui me tire dessus? Mais... Il vous aide des bébés, enfin, à aller faire... Un truc de bébé, là. C'est qui? Mais d'où ça me tire dessus? Regardez, y'a personne. D'où je reçois... Pourquoi jouer tous les héros? Ah, mais c'est qu'ils viennent de dehors? Mais non, mais c'est pas possible. Ou d'en dessous. Ils doivent venir d'en dessous. Qu'est-ce que je fous, moi? Mais stop! C'est toi, là, qui fais ça. Arrête. Hein? Faut que je prenne un peu des bric-à-brac, mais là, je suis partie en mission pendant longtemps.
C'est où? C'est pas du tout par là. Et mon bras en plus, faut que je répare mon bras. Je répare mon bras. C'est quoi ces vis et bois? Vas-y, tu prends de la vis et du bois. Mais je répare mon bois. Mon bras. Merde. Je vois plus personne. Ah, mais c'est ici. Il y a des bails ici. Il y a des pots. Dégagé. Mais où est la suite? Il y a plein de points rouges en plus. Faites un plan. Je sais pas où c'est. Ah mais faut que je passe juste par-dessus, je pense. Ah mais cette porte c'est une porte normale, je crois que c'était pour partir. Et ils sont en dessous, ok. Quoi? Coupé. C'est quoi ça? C'est de la drogue pour moi. Enfin une bonne nouvelle. C'est clair. Ah mais oui, je me rappelle. Mais j'étais déjà allée nettoyer cet endroit. Mais j'ai jamais nettoyé en entier, il y avait trop d'aller-retour à faire. La bagnole. Mais stop. Bon bah je reste là, hein. Je bouge plus. Dès que j'avance, il y a juste tout qui explose. Le prochain pas, c'est la planète, c'est ça? Attends. Quoi? On dit truc. Oui, bah c'est pas le moment, hein. C'est quoi qui me tire dessus? Que j'ai vu. Attendez. On va faire un dodo. Où elle est passée cette pétasse? Venu Willy. Oh, bah on est passé à autre chose. Alors, on joue la fille de l'air? La musique de Voltex s'est activée ici. Ici, là? C'est la musique de Voltex, ça? Moi, je la reconnais pas. Oh, j'ai fait un... Ouah, stylé. D'accord, je peux partir maintenant, c'est bon. Oui. Parce que c'est chiant d'entendre les lumières et les robots faire du bruit. Rocket 69, Rocket 69. Tiens, en parlant de musique, il faudrait que je remette un petit peu la radio. Choper le coffre ici, je sais pas. En fait, quand tu montes, tu dois escalader beaucoup trop, ça saoule. Alors, je pense que j'ai pas tout chopé, mais tant pis. Parce qu'après, voilà, tu... Quand tu nettoies toute la zone, tu dois nettoyer toutes ces tours-là, il y en a plusieurs. Là, ça va, c'est... Tous ces trucs comme ça, et ça monte, c'est trop chiant. Toutes les cheminées, voilà. Et moi, je pense que j'ai plus besoin, donc je vais faire ça. Ah bah, oui, non mais le coffre, normalement, j'avais déjà eu. Mais je sais pas si... Enfin, si, il était dans cet endroit-là, à cet endroit-là. Mais je connais pas assez la zone, elle est trop chiante à fouiller. Une sunbox normalement qui se déclenche. Pas pour rien, chelou. D'accord. Mais je sais pas quoi te dire. Moi c'est assez souvent que je trouve que les musiques in-game sont pas vraiment appropriées. Mmh.
Ouais, c'est ça, j'avais... ouais. Cette zone m'avait trop saoulée, c'était l'une des premières que j'ai fouillées. Et c'était trop décourageant. Alors je me suis dit, bah j'y retournerai pas. Et j'y suis retournée. Aucune parole. Pendant que vous bricolez, je vais lancer quelques diagnostics. Mais je m'en fous, fais ta vie. Prenez votre temps. J'ai jamais compris pourquoi on nous a programmés pour ressentir la douleur. J'ai plus assez pour réparer. Vous ne remplissez pas les conditions requises. Comment ça? Pourquoi comment ça je remplis pas les conditions requises? Aluminium 1, acier 6. Hello Coco. Un jour de plus dans le Commonwealth. Première fois que je suis tombée sur l'usine, j'ai pas aimé. Ouais. Et ben... mais il me dit que j'ai assez. Bah j'ai pas assez en fait. Tout simplement, mais il me fait croire que j'ai assez. Ouais, y'a Nikan. On va quitter. Non, j'ai pas assez hein. Bon déjà, je vais virer mes trucs. Non, c'est pas là, c'est ça. Et c'est transfert. Et c'est tic. Faut que j'essaye de voir ce qu'il faut que je vire pour pas que ce soit trop lourd. Parce que c'est déjà bien lourd ce que j'ai. Mais j'ai ramassé des nouvelles armes aussi. Mais bon, en ai-je vraiment besoin? Ouf. À 27. Ah mais c'est quasi le même les deux. Mais celui-là est juste... ouais. Non bah ça dégage. Ok. Celui-là. 42. Bof. Et celui-là 64. Il est comment mon... attends, fusil de compas. C'est lequel? C'est celui-là. Fusil de précision 61. Mais... tire des balles qui explosent à l'impact. Ce qui est mieux quand même. Mouais. Je vais un peu des affaires. On fait ça. Ça je garde au cas où. Ça va décaler. Ça, je garde au cas où aussi si je jouais de tendance. En plus, ça me donnerait... ouais, je devrais l'utiliser d'ailleurs. L'eau sale. Ça. Ça passe. Ça passe. J'ai un peu la flemme de trier, je vous avoue. Donc si ça me va... go pour l'insomnie. Bon courage. Bon courage. Et moi, ça fait chier, putain. Et ben... ben, va falloir que je ramasse des trucs. Va falloir que je ramasse du bric-à-brac. Le jeu de la digression. De fou. Mais de fou, c'est pour ça que j'arrive pas à avancer dans la quête. Mais j'ai toujours ma jambe qui est cassée. Hein? Carla, l'ordure. J'en peux plus de vous tous, tu comprends? Je n'en peux plus. Hein, moi bien. Carla, l'ordure. Grission! C'est sympa ce que j'ai fait ici. Un peu. Il y a la vieille que j'ai touchée, que j'ai laissée là au coin. Je ne suis plus très vaillante, je... ouais, pour ça je t'ai foutu là. En première ligne et au coin. Que tu n'es plus très vaillante. Oh, c'est joli un peu là. J'aime bien cette vue. Bon. On est à combien de VOD? Oh, va falloir que je fasse un truc dans cette VOD quand même. Quand même. Y'a quoi ici? Ah, c'est un point que j'ai mis moi. Retirer enfin.
il faut que je rentre, faut que je retourne là-bas. Je vais prendre du bric-à-brac en même temps pour essayer de me réparer. Voilà la jambe, mais ensuite c'est quoi? Ensuite c'est couille. Ouais, j'ai un diner, mais c'est grâce à un mod qui m'a permis de faire ça assez facilement. Et j'ai fait un petit diner, ouais. Ah, je galère vraiment avec le build, enfin la construction, tout ça, le settlement. Et pourtant, c'est... ça peut être cool, mais... un peu la flemme de pousser vraiment le truc et surtout de trouver tout le matos. En fait, ça nique tellement tes compos. Ça nique même les compos les plus basiques. Enfin, ça, je prends par exemple. Prends un peu de verre. En VOD, bah pas vraiment, mais si vous voulez je peux mettre le chat si vous voulez vous voir. Je comprends qu'on ait envie de se voir soi-même. Parfois c'est la meilleure chose qu'il peut y avoir à l'écran. Ah mais c'est du vol. Oh. Bon. En tout cas faut que je finisse la quête pour voir le truc que Anthea m'a dit. Tiens. Merci Hémoglobine de m'avoir lancé cette perche effectivement. Je vais pas me friter avec eux. Pas maintenant. Je vais pas tout casser. Je suis quand même fait chier à faire toute la quête. Je vais pas commencer à me les mettre à dos. C'est par où? C'est par là. Faut que je me mette bien. Je suis pas bien mise. C'est mignon dit comme ça, vampirien, j'avoue. Je pars du principe que je m'occupe de moi-même très très bien. Ah, oh, c'est là-haut. J'y étais. Fuck. C'est où? Ah punaise! Mais ouais, mais on voit que de loin. C'est un honneur. Merci. Il y a des compos intéressantes ici, là. Installé. Bon, on va voir ce que ça fait. Ils vont s'en aller du coup. Réduisez la puissance sur la proue. Doucement mais sûrement, Mister Navigateur. Les vents sont cléments et le sang... Mister Navigateur. Nous levons l'ancre. Remercions notre héroïne du moment. Comment ça, qu'est-ce que vous faites? Vous avez mérité votre part, madame. Merci. Très bon travail. Mais tout à fait. Levez l'ancre. Levez l'ancre. Face à l'imminence de notre grand départ, le secret peut être enfin levé. Quand nos deux fusées NX-42 seront mises à feu, nous pourrons enfin larguer les amarres. Adieu, cale sèche. Adieu, immeuble de bureau répugnant. Le Constitution sera propulsé dans les cieux avant de se poser délicatement dans l'océan salvateur qu'il n'aurait jamais dû quitter. L'Atlantique va bientôt retrouver son plus fidèle défenseur. Tu vas te faire sauter tout le bateau avec... Ouais, j'ai envie de dire que ce sera un peu ça, ouais. Tu vas te faire sauter tout le bateau avec. Je suis profondément attristé par votre manque de foi. Il n'y a que 14% de chances que cela se produise. Mister Navigateur, ça lancez passe. Les machines. Il faut... ces voyous sans foi ni loi. Préparez-vous... vous envoie ça. Je vais t'aider, je vais vous défendre. Au secours, au secours! Au secours, alerte! Alerte! Oh, ça la démonte!
faut que je fasse gaffe. Attendez, je sauvegarde maintenant. Voilà. C'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est le bon. Ah bâtard. Non. Let's go. Les mecs sont morts. Oh, ils ont des étoiles et tout. Petite radio, c'est un peu trop tristoun. Les pilleurs des femmes essaient de passer un abordage. Fauchez-les comme du chien d'eau. Bien ajusté. Pas encore prêt. Les canons sont prêts, il m'a dit. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est pas... C'est bon tu... Ok, ok. Est-ce que j'ai tiré près d'une meuf... Enfin, sur une meuf qui était près d'un robot. C'est pas mal. Échec. Je fais F9. Heureusement que j'ai anticipé. Franchement, j'ai tiré sur rien là. J'ai vraiment fait super gaffe, ça souffle. Il m'a dit que c'était bon, c'était prêt. J'ai l'impression que le seul risque, c'est quand je tire avec ça. Le seul non-risque. Lenny n'a pas du tout hissé pavillon blanc, tu es fou. C'est bon ? Les pilleurs des pavés. Du chien d'or. Ah ok. Ils sont où ? Mais tu racontes n'importe quoi, ils essaient de passer zéro à l'abordage, mais tu es fou. Non, j'ose pas, il y a des robots à côté. Les canons sont prêts. J'ai vu ça. On prend un robot, lui. Mais moi, je fais rien du tout, moi. Moi, je me cache et j'attends que les canons soient prêts. Là, pour le coup, il recule. Bien joué. Une victoire de plus pour le Constitution et son équipage de frères de la côte robotique. Le professionnel. Le robot, il doit cesser de parler avec les gens. Il se rend pas compte, tu pourrais le tuer de chagrin. Loué soit les dieux du vent et des sept mers, l'assaut des pilleurs d'épave a été repoussé. Tout à fait. Locke, c'est le meilleur. J'étais enthousiaste, excuse-moi. Ah, David Jones, parle-moi. Loué soit les dieux du vent et des sept mers, l'assaut des pilleurs d'épave a été repoussé. Il est classe un peu. Attendez, c'est juste pour l'image. Pour Minia.
la mini-as, pour la mini-as. Attendez, je fais... Pour la VOD, pour la VOD. Ah mais il a le logo au-dessus de sa tête, c'est chiant. Capitaine. Oh là là. La team premier degré. L'assaut des pilleurs d'épave a été repoussé. Aucun de ces flibustiers n'a posé un pied boule sur notre pont immaculé. Un pied plus. Préparez-vous pour le lancement. Bon bah let's go hein. Félicitations capitaine. Je demandais s'il veut vraiment mettre, ce plan à exécution. Il faut agir avant que les pilleurs d'épave ne puissent se regrouper et lancer un nouvel assaut. C'est maintenant ou jamais. Pour entreprendre notre grand voyage, nous avons besoin de la puissance du générateur auxiliaire. Okay. J'ai peur de devoir faire appel à vous une fois de plus. Ça marche. Oui. Où est le générateur ? Au dernier étage de Royal Arms Apartments. Prenez garde, il y a sûrement quelques pilleurs d'épave qui rôdent encore. Voici votre récompense. Vous l'avez amplement mérité. Que les vents vous soient favorables, madame. Oh, c'est rigolo, ça. Ok. Activer l'alimentation auxiliaire. Eh ben, je vais le faire. Je m'en vais le faire. Je le fais juste pas. Faut que je descende. Où j'aille là peut-être. Sympa, c'est marrant comme on va tester. Petite sauvegarde. Est-ce que c'est ici hein? Sûrement. Ah non, fallait que je sorte. Le chien, je t'en supplie. Au secours. Et ben bisous tout le monde, bon voyage. C'est cool comme mission, j'avoue, c'est cool. En bateau. Je n'ai rien. Ah, j'ai les velupes. On va pouvoir mettre un petit truc, je sais pas, dans la force en vrai. Je sais pas. Charisme, j'essaie de m'en servir régulièrement dans les dialogues, ce serait peut-être bien que je mette un point de plus dedans. Et où le réacteur? Je l'entends. Il est en dessous? Allez. Ok. Il me faut de la lue aussi, hein. Il me faut de la lue, hein. Bon, je verrai le bric-à-brac ici, il a l'air tout pourri. Vodka. Pas de la lue. Du bois. C'est pas de la lue. L'acier. Ah bah non, c'est de l'acier qu'il me faut. Et de la lue. Il me faut les deux. Petit générateur. Ok. Cérébentine. Acier. Mister navigateur, faites ronronner les moteurs. Ah, c'est cool. Gardez les moteurs à bas régime. Pour la mia, pour la mia. Soldats, nous sommes prêts pour l'alimentation auxiliaire. Attendez, je vais m'enlever de ma... Voilà. Je vais m'enlever de mon armure. C'est chiant, j'ai toujours l'interface de l'armure. Acier, alu et plastique. Ouais. Voilà, petite interface un peu plus vanille là. Lancez le générateur dès que possible. C'est parti. Puissance nominale. Excellent. Début du compte à rebours final. 3. 2.
ça va exploser. Ça va exploser, ça va exploser. Allumez les moteurs. Adieu, immeuble de bureau. Adieu, canne sèche, Oni. Waouh. Ah, c'est trop cool. Oh, c'est si cool. Ils vont se crasher. Ils vont se crasher. Ils vont se crasher sur la tour. Ah, ils voulaient aller jusque là en fait. Trop drôle. J'ai gagné. Et bon, c'est très rigolo. J'avoue, je suis très contente de l'avoir fait. Cette quête, elle est cool. J'étais pas sûre de la finir ce soir. Je me suis dit, oh, si elle est trop longue et tout, bah, elle est bien marrante. Et bah, trop cool. Et bah, sur ce, moi, je vais aller ramasser du bric-à-brac. Donc, ça va pas être passionnant. Du coup, je vais faire bisous la VOD. Et c'était rigolo. Voilà, sur cette image. Début de la VOD. Ciao.